ce rassemblement, c'est déjà soutenir les hôpitaux coup en ont bavé, parce que quand on dit que c'est de la guerre, c'est pas une guerre, parce que quand on est en guerre, on est à armes égales. Nous sommes en guerre. On se bat l'un en face l'autre. Là, ce n'est pas la guerre, parce qu'eux, ils ont fait la guerre, si on veut, avec rien. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. Avec rien, les mains vides. On a fait même mourir du personnel qui n'était pas assez protégé du Covid. Et beaucoup, médecins, infirmiers, soignants, à cause de ces protections qu'il n'y avait pas. Ils ont reçu des masques périmés de 2001. On a fait des manifestations pour le personnel de santé, pour les hôpitaux, etc. On applaudit, c'est très bien, sauf il faudrait peut-être déjà que les gens qui applaudissent descendent dans les rues pour les défendre, parce qu'on a fait certaines manifestations devant le ministère de la Santé où on était 50. Par contre, on a fait d'autres manifestations où tous ces gentils messieurs de la police, CRS, BAC et consorts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont matraqué la gueule des infirmiers, ils les ont gazés. Moi, j'ai vu une infirmière à terre avec un CRS qui avait sa godasse sur sa tête. Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent, pour sauver l'hôpital. Parce qu'il y a peut-être des gens qui les ont sauvés. Il y a des gens qui ont sauvé des milliers de vies. Nous, on a une amie qui est agent hospitalier, qui a été réquisitionnée et a travaillé comme aide-soignante. Quand ils l'ont réquisitionnée, c'était pour désinfecter les locaux. Quand elle est arrivée pour désinfecter les locaux, il n'y avait rien. On commence à travailler avec des sacs poubelles comme sur blouse, des sacs de poubelles pour les pieds. Et elle avait comme Charlotte un chiffon de nettoyage à usage unique et un masque qu'elle gardait à la journée parce qu'il n'y en avait pas deux, ni trois, ni quatre. Et elle était en réa avec les Covid à nettoyer tout désinfecté avec qu'elle a vu, c'est là qu'elle a vu plein de morts et tout ça. Et tout.